le bassin là, au bout de la rue. On voit pas. Yo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les Daily Diaries by Nell. Pour faire un petit récapitulatif de ce qui s'est déjà passé, puisqu'il est midi 12. Ce matin, je suis réveillée à 6h50 avec Mathéo parce qu'on était chez des amis et que lui, il partait à 7h pour son taf. Et sur le trajet pour aller à son taf, il y avait ma maison qui m'a ramenée. Vers 8h, on est arrivé chez moi. Je suis allée dormir. J'ai dormi jusqu'à 11h30. Et là, j'ai commencé à préparer un petit drive de tout ce dont on va avoir besoin pour ce soir. Un gros truc qui se passe aujourd'hui. Mon ami Hugo rentre en France après son année à l'étranger. Enfin, je sais pas comment je vais m'organiser, mais il faut que je fasse un gâteau au yaourt parce qu'il adore mon gâteau au yaourt, Hugo. Ensuite, je vais faire des cupcakes parce que j'ai une recette que je veux absolument tester et comme ça, bah, mes parents n'auront pas à tous les manger, donc je vais les ramener aux garçons. Vers 15h, j'ai Thomas qui vient me récupérer. On va chercher le drive. Faut que je finisse du coup de préparer mon drive. Petit short de pyjama là. Et une petite poche. C'est vrai qu'il est fait. Let's go. Ok, j'ai enfin accès à ma cuisine. Donc on va pouvoir commencer. Ah, il est midi 44. Ah merde, les heures creuses, c'est ça que je pense. Ça que je pense. Et j'ai envie qu'il y ait au moins un truc qui cuise entièrement dans les heures creuses. C'est mes parents. Je suis surexcitée, on va commencer. Il est 13h45. Le premier gâteau, le gâteau yaourt, c'était toujours au four parce qu'il avait pas cuit. Et la pâte à cupcake est genre parfaite. Là, je... Oh bah... La problématique là, c'est que j'ai un saladier énorme et bah, les moules, c'est assez petit. Je sais pas comment je vais faire. Bon, je vais sortir le premier gâteau, s'il est cuit. À l'extérieur, il est magnifique et à l'intérieur... Vrai, de vrai, de vrai. Elle est une louche. Ça passe. Yeah, ça marche. Je vais mettre un tout petit. Ça, ça se voit pas. J'ai plutôt un teint pas trop mauvais à la caméra. Mais en vrai, ouais, jusqu'à mon... Ah, c'est dans mon œil. Ah, touché dessus. Donc, on va juste mettre un brin dans les cernes. Ma dernière bonne nuit, on montait à la nuit de mercredi à jeudi dernier. On est... mercredi. Et là, en cumulé, ce manu a été du coup, coupé par, bah, par le réveil pour rentrer chez moi. J'ai dormi, je pense, 8 heures quasiment. Ok, à la caméra, on voit jamais de changement, mais là, je vous jure, ça change. Par-dessus, on va faire des petites fleurs. Ça va être adorable. J'adore, vraiment j'aime trop les petites fleurs. Prête à partir. Thomas m'a enfin récupéré. Dans la décapotable. Pardon. Ok, on est rentré. Thomas m'a aidé à ramener les deux sacs. J'ai mis les bières au frigo. Et là, je vais pouvoir démouler tous mes petits gâteaux. Je suis contente. Ça, tout s'est bien passé là, tout. Il est actuellement 21h20, je suis en train de lire un petit livre sur la terrasse pour profiter du beau temps. Je saurais pas le dire en français parce qu'il n'y a pas d'équivalent, mais hair is hairing, makeup is makeuping, outfit is outfitting, so let's go. Happy, happy, happy. C'est bon, on est sur les lieux du crime. Ils sont tous derrière moi en train de porter parce que je suis une princesse. Yes, la table est installée. Bon, c'est le moment de se cacher, mais ils sont nuls. Ah, on voit pas. Mais attends, tout le monde, on se cache où là? Parce qu'on va voir. Cache où? Ah, le cassos qui est allongé de l'autre côté de la route.